Alors, aujourd'hui, nous sommes les 16 juin 2022. C'est le mois de Bresse. Et consacré à la 5e convention de la RDC par le Rwanda. Alors, on va laisser la parole au président élu qui va s'adresser à vous. Et juste après, nous allons venir vers vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je m'adresse à vous ici comme des gens qui représentent la population congolaise. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Le pays est en danger. La présence des forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier. Il s'agit de la 5e agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les leaderships illégitimes, faibles, incompétents et corrompus qui est constamment à la recherche d'une légitimité enfoncent davantage les pays dans l'abîme. En effet, M. Félix Tshisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec les pays voisins de l'Est, au détriment du Congo et de son peuple. Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. L'invitation de la police rwandaise à se déployer à Goma, rejeté par la population, en est une preuve. La mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en est une autre. Il a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend. Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sans aucune planification. Pire, M. Félix Tshisekedi a inutilement provoqué une compétition entre le pays d'Afrique de l'Est sur la RDC. Il promet à tout le monde et cette incontinence de promesses expose les pays au danger. Très chers compatriotes, les derniers développements de la situation à Bunagana, particulièrement, ont accentué la tension dans la région. Cette situation requiert courage et responsabilité dans sa gestion. C'est pourquoi, prenant nos responsabilités devant le peuple congolais, nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, le départ sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur à Kigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À la CIRGL, nous demandons à son Excellence le Président João Lourenço de poursuivre ses efforts de médiation
dans le sens de ramener la paix dans la région. À l'Union africaine, nous demandons à son Excellence le président Macky Sall de faire actionner les mécanismes appropriés de l'Union africaine pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. Au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation du droit international tel que codifié dans la Charte des Nations Unies. Peuple congolais, cette crise n'est pas une crise entre les peuples rwandais et congolais, qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Ne tombons donc pas dans le piège que l'on veut nous tendre et qui consiste à laisser penser au monde entier que c'est un conflit entre peuples. Nos peuples sont plutôt victimes du cynisme des leaders qui se plaisent à entretenir des cycles de violence et qui se nourrissent de ces violences. Restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger, conformément à l'article 63 de notre Constitution. C'est à la fois un droit et un devoir sacré pour tout Congolais. En attendant, nous prions pour la sécurité des Congolais à Bunagana, particulièrement, et plus généralement partout ailleurs dans le pays. Nous prions pour tous les civils innocents qui sont injustement coincés au milieu d'une tragédie insensée. Leur seul tort est d'avoir un sol et un sous-sol riches. Nous prions aussi pour nos forces armées afin que notre Dieu juste leur donne la force de vaincre les agresseurs et ainsi sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Que Dieu bénisse la RDC, ses vaillants militaires et tout son peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. Au déploiement d'une force des États d'Afrique de l'Est au Kivu et en Ituri pour, dit-il, ramener la paix. Ok. La réponse est très simple. On ne sous-traite pas sa sécurité intérieure. Le Congo doit se battre. Nous devons équiper correctement nos forces de défense pour qu'ils se battent avec l'aide de la population tout entière. Merci. Merci. Ma question est celle-ci. Le FARDC déclare que le Rwanda soutient le M23, tandis que la MINUSCO, elle réfute cette affirmation. Que pensez-vous à ces deux communiqués? Je n'ai pas connaissance que la MINUSCO a réfuté cette accusation. Tous les pays aujourd'hui reconnaissent que l'armée rwandaise est le sol congolais. L'armée rwandaise est dans le sol congolais depuis très longtemps. Les Nations Unies elles-mêmes, par ses experts, avaient reconnu la présence des armées étrangères, notamment l'armée rwandaise, l'armée burundaise et l'armée ougandaise sur le sol congolais. Donc je ne pense pas que la MONUSCO peut se dédier. Vous l'intérêt du Rwanda, quelles sont les demandes du Rwanda? Est-ce qu'il faut répondre à ces demandes-là? Et quelle est l'issue de la crise selon vous? L'intérêt du Rwanda, il faut demander au Rwanda. Il faut demander au Rwanda pourquoi depuis 25 ans, le Rwanda fait la guerre au Congo. L'issue de la crise, donc, c'est quand le Rwanda dira exactement ce qu'il veut
Quand je parle du Rwanda, je parle du président Kagame, parce qu'il ne faut pas confondre le président Kagame avec le Rwandais. Et comme nous l'avons dit ici, le peuple congolais n'a aucun problème, aucun souci avec le peuple rwandais. Mais pourquoi on nous fait la guerre? Vous connaissez les rapports mapping? Il y a eu des atrocités commises au Congo. Personne n'en parle. Tous les jours, les gens meurent. Pendant que nous sommes en train de parler, à Ituri, à Beni, à Boutemou, partout dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, les Congolais meurent. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est pour cela que nous disons, et c'est à la communauté internationale, c'est aux Nations Unies de poser le problème. Quel est le problème? Le problème, est-ce que c'est comme dit le Rwanda, c'est les FDLR qui sont au Congo? Pourquoi ces FDLR sont-ils au Congo? Ils sont membres de combien? Et pourquoi les Nations Unies ne prennent-elles pas une solution, ne trouvent pas une solution pour ces FDLR? Vous avez dénoncé dans votre discours l'agression rwandaise contre la RDC. Qu'est-ce que vous préconisez en termes de solutions palliatives pour sortir le pays de cet état d'insécurité? Vous avez également parlé des accords secrets. Quels en sont les signaux, selon vous? Merci. Ok, merci. Des solutions, et ça fait suite à la question de M. Bonneau. Vous savez, solutions, c'est le peuple qui doit trouver une solution. Dans l'exposé des motifs de notre Constitution, il est dit que depuis le 30 juin 1960, date de l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et des arts alimentaires. Et nous avons le même problème dans la région, toute la région. La solution, c'est de mettre en place des régimes démocratiques. La solution, c'est de mettre en place des régimes qui sont soutenus par leur population. Voyez-vous, nous sommes attaqués par le Rwanda aujourd'hui et certains Congolais trouvent encore le moyen de se diviser. Mais si nous avions un régime légitime, élu, mis en place par le peuple congolais, et tout le peuple congolais serait derrière ces régimes. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, en tant que le président élu de la RDC, je demande à tous les Congolais d'être derrière nos forces armées. Rotna Pesayo Yaruna Lingala, na Gozon Ramoke, na Difalase, o na Lobalon Devo. Vous avez des preuves des accords? Quels sont les accords? Mais quand le gouvernement congolais dit qu'il suspend tous les accords signés avec le Rwanda, vous voulez que moi je vous donne quels accords? Le problème, c'est que il y a beaucoup d'accords, et ces accords, nous ne les connaissons pas tous. Nous savons que M. Tshisekedi a signé les accords d'abord avec le Rwanda, les Ouganda. Les Rwanda, c'était déjà des accords commerciaux. L'Ouganda, il est parti signer des accords militaires, vous avez vu. Et puis après, le Rwanda a dit que non, moi aussi j'ai besoin de ma part des gâteaux. On a signé les accords. Le président burundais s'est précipité pour venir ici à l'hôtel du fleuve pour que lui aussi. Et ça parle du gâteau. Donc tout ça, c'est accord. Vous avez vu les accords? Les accords, je parlais des accords commerciaux. Vous avez ces accords des raffinages. Vous avez plusieurs accords. Mais le problème, c'est que les Congolais ne savent pas ou ne connaissent pas ces accords. Il est parti, il a amené le Congo dans la région ou la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Sur base de quoi? Quelles sont les motivations? Qui l'a amené là-bas? Pourquoi il a amené le Congo là-bas?
quoi de pays. Est-ce que les Congos ont la vocation d'être un pays d'Afrique de l'Est? Nous sommes dans toutes les communautés ici. CIRGL, SACO, Union africaine, vous savez les Zleka ou Zlek et tout. Quel est l'intérêt du Congo aujourd'hui dans cette communauté, si ce n'est aller s'offrir bêtement? Maman, Likambo, il y a les alliés à Wanambo Kanabiso et Likambo et Kouenibiso, c'est-à-dire Likambo. Kozali n'a pas conti, Oyo, Badé n'a pas quitté au Kamamboka. Mboka n'a pas so, Babana Kumunisango Badaka. Les Loyo, Kozali Namboula, Tukumbe la Nitane. Tango Makambo est bandit, Pamisous Bissoyo, Kozala Kina no Bilenge. Les Loyo, Tokomi Kotoma Mampaka, Makambo n'est pas dit Kaka. Les loyaux, bato bakoma beaucoup fanzala, on a nyonsoana, on a et tumbao yo et maka na kati ya Rwanda, vous voyez bien quoi, la maison de la beauté. Ban ya Rwanda, nous tous voyez pourquoi dans la Congo, pourquoi dans la côte qui na Congo, bato yo voyez ceux qui voient qu'on a Rwanda balandi bango, n'importe la mission. Pour la balanda bango, vendre ça bango awa, batika bango awa. Bani qui sa volonté, bon bango basoka, tant nous sur les textes étaient et Batouana Bazo Sangana ba soda na biso, va bouger sa volonté. Yangouana, tu y es au fond à Bolobana, Oni, Aluka Mokano, Azo Mokano, on a Batouana, Bolobana Oni, Asala Nyons, parce que Biso, Banaboka Congo, vous avez besoin de Kimia. Vous avez besoin de Kimia. Vous avez besoin de Batonion sur Awa. Vous avez besoin de Mbate. Vous avez besoin de l'Union africaine. Oyo Mokambinango, vous avez besoin de président Macky Sall. Asa la Nyon sur les coquilles pour Kimia et Kotanaboko. Vous avez besoin de président Ya Angola. Joao Lorenzo. Il y a la Makambo nyonso bandai bandele ti na souka parce que Baloufa qui était Monsieur Tshisekedi dit après ça qui Nzela na bandeko ya M23 après ça bon après ça qui vont Bilaka qui a posé la boye à sanité Bilaka a modali nini tous allés à wa kaka et loko moko tu bakawa côté kambo ko komote les pas travailleurs de Congo. On est allé trahison. Vous en avez trahison, mon ennemi à Oua. Ma côté armé, vous avez un bunda, 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 Bongo yoka, basoda kuna bongo bakero, tozan eloko wete, tozan eloko wete. Mais eloko nini, yangwana tolobi, que makambo nyonso, tovanda isika moko, to bandela yango bezane bandeli. Ba biloko yon basala kika, oko kele nane robi, oko sala boye, non. To boye yango. Yangwana, président Lorenzo, asala bakasi, pour total, un dénigme de l'Ouïsa, Mboka. Il y a un mot qui est ici, il y a un mot qui est
La communauté internationale, Babon Batala, Bakongolais, Balingi, Basalababou et Mame, Tala, Tek, Congolais à Moto, à Toussakamibeko, Congolais à Moto, à Toussakabomoui, Yabato, du soir, Batozali, Koleka, 95% des chrétiens. Pour te dire que, au bon moment, ils allaient Mame, au Salamoto Mame, ils allaient du Soum, Yangouana, Nako Senga, Naba Congolais. Bokeba, tout ça va engueuler. Tout qui était dans mon temps, on va dire, puisque pour pas comme avant, bon monde, basali boye. Tout ça n'a dit qu'en beauté, buso, na, bah, rwandais, tout ça n'est pas le coup. Mais, et l'eau, yo, zali, kotia, kolongo, na, kambo, yo, et zali, partout, basa, au kamba, moka, bango, basa, na, agenda, na, bango, moussa, na, bango, kaka, violence, bah, y'a bien des gnini. Violence wana et profiter la ka bango. Tu veux gagner? Merci beaucoup. Bon. Mboka pona libaku yo pesi biso ko lobele ekolo e ya mbofoko tonda tata mokonzi ya mboka Martin Fayulu Madidi pona mongongo atomboli pamba te bakongomani balingaki bayoka ye mboka eza agresse mapinga ya mboka bakosala beforme mokonzi alobaki te il est certes vrai kachaki mwa mokoloto achaki pe maloba na Twitter mais singelaki pe aloba solo la poete presse bozwa ba element ya communication pe pa comprendre position na ye lelo eza sous débatté. Et ça, ils ont discuté, ils ont agressé. Et l'agression, ils ont soutenu par l'État voisin. Et l'État, le pouvoir de Bokonja Kinshasa, il y a un accord. Parce qu'il faut que le Bayango, le Congo, il y a un accord commercial ébélé dans le Rwanda, notamment raffinage, il y a or dans le Rwanda. Dès que ça a été, le Rwanda, il y a un accord pour soutenir l'agression dans le Rwanda. Mais je suis allé à l'Aliété. Où tu as agressé, tu as déjà sali ko nini. État congolais sali nini pour nous tomber la mongongo. Tu as dit que 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 tu as dit alors que tu même circonstance que fait en 2015. Mboka na biso tant au RCA ezoki maloba na tribune ya Union africaine et tomolaki mongongo lobite na sengete boya kotia maboko RDC chaki maboko na RCA tomolaki ndenge ba seleka ba silaki siko lelo motune ezali après ba agression oyo est-ce que tozana droit ko continuer ko tika na ba korwana na ba eta ba ko financer ba agression na biso Yami Bale, na mapinga ya mboka na ngai est-ce que l'état wa kokamba Congo lelo ache misolo ya solo. Est-ce que l'État a kukamba Congo lelo aza réellement conscient ya menace aux opposés. Tu peux imaginer toi la situation d'agression. Oh lelo territoire moko ya mboka ba rebelle ba fandi ni kuna. Ba chef d'état major nyoso 4 adjoint bazana Kinshasa. On explique ça comment? Chef d'état major ye moko aza pe na kin. On explique ça comment? Le pays est menacé mais côté kuna ba kotala, côté kuna ba kolobate. Yango to lobite na kanali ya mokonda lobite esengelete ba nation ya Union africaine principalement na ya monde ba kotali. Principalement l'Union africaine ou Abanda qui déjà le président Lorenzo. Tout ce qui n'avait pas continué des marches sur la main et botambouma. Et ça la cara maloba simple. Et ça la malobo et mimambouma pour être qui maison en Congo. Moi, je suis à Colobaïté, je suis à Colobaïté. Bah état sœur, na niveau Union africaine, mais à Malunga, ils ont été les loyaux. Rwanda, na état congolais, na niveau africain, bah na voix moko. Mais qu'est-ce qui fait que, na niveau à privilège, biso tonima gopé ça bah accord commercial à Malunga na Rwanda.
L'Union africaine a s'investir. L'État a monde à côté du Cambo pour être Kimé à Congo et les Kinyoso. Et le pouvoir à Kinshasa, le discours est toujours. Maloba toujours, ba point de presse toujours, mais ba salinini. Na ba police, na ba militaires ba kobunda, bo pesi bango misolo kama, bo pesi misolo boni. Na ba eba ko tombola mingongo, bo accompagner bango na mingongo wana. Ta la passage à vide ndeko tundo na tribune des Nations Unies. Toza agressé, mosengi ba sa le rote. Pour nani. Ça en réalité aux zones d'ima agression wana, mais aux zones sans implication ba état voisin na yote. Est-ce qu'il faut continuer la gouvernance à faible bon de tolobité et singele de tombola mongongo yango mokonza tomboli pour être bisonyo surtout soutenir ba effort ya ba polus na mapinga na biso pamba te lelo ezande bana to basia ba soane bandima ofa na stress wana papa ke de soka rozonga ezande militaire wana za esprit na ambiscade ezande militaire wana ndima kabunda malgré te doté été mibumi sa to leki de tolobi été na travers tata mokonzi toko soutenir mapinga ya mboka na biso pamba te tozaki na besoin budget 10 milliards te na 2012 tozaki na besoin ya ba mobilisation exagérée même 23 zaki fléchi siko lelo kani to na budget 10 milliards to na dépassement ba assignation pour nani toko ko ko sili sa groupe rebelle te pour nani toko ko kanga monoko M23 te pour nani toko ko si sa bango te état de siège zalaki te na 2012 même 23 ke dagit état de siège yé 10 milliards de budget yé pour nani ni kimé ko tate motune ngwa na mo kusé coordinateur na bino ya la moka déjà mon tourna mon longa ko salete est-ce que commission est celle qui mosala wana ba entenda qui va concerner parce que article 19 P61 a constitué mboka na ngai et garantir droit à défense à motonyoso to moni biso so mama moshebe ko ina ba element alobi na bimara pamba te na bimara po ba pesa nganga ndingisa ko bima ce que mon tourna yango so ya malonga est-ce validation wana et respecter ba droit à défense à bato est-ce que boka ki bango yango toko c'est tata mokondi ya plateforme politique la mukana ngonga yeye premier Adolphe Muzito tu été et tumbao peuple a paix ça y est charge au peuple a paix ça y est et qu'on se résume kaka na ba immunité parlementaire té et qu'on se résume pe na emolima té et qu'on se résume na ndenga tombola ka mongongo pour peuple aloba na ndenga tombola ka mongongo na oyo tali peuple na ndenga réagissaka pour l'intérêt souveraineté et colonial.